Airtel, en tant que leader de la télécommunication au Burkina Faso et en tant que réseau des jeunes, joue sa partition en lançant le programme Emploi Jeune pour donner une voie de sortie à la jeunesse touchée par le chômage. Nous avons besoin de compétences, d'agents expérimentés, mais en même temps nous avons des responsabilités envers la jeunesse. C'est pour cette raison que nous mettons en place ce programme pour donner une première expérience professionnelle à des jeunes diplômés. Le programme Jeune Emploi de Airtel est un programme qui a pour but de donner l'opportunité à des jeunes diplômés sans expérience professionnelle, donc qui n'ont jamais travaillé, d'avoir une première expérience professionnelle en entreprise, de se confronter aux réalités de la vie professionnelle et d'apprendre auprès de managers aguerris de sorte à se préparer et à être prêt pour affronter le monde professionnel. Ce programme qui se déroule dans les 17 pays de Airtel en Afrique a pour objectif principal de constituer un vivier de jeunes talents dans les différents domaines d'activité de Airtel. À terme, ceux qui se montreront plus aptes à occuper des emplois ouverts dans l'entreprise seront recrutés, ce qui contribuera à améliorer l'employabilité des jeunes diplômés burkinabés. Ce matin, on vient de passer 5 heures de temps pour finaliser les entretiens d'embauche, de recrutement des jeunes talents burkinabés. Et il est nécessaire que nous facilitons le plus que nous pouvons à l'insertion de ces jeunes diplômés dans le monde du travail. La participation à ce programme donnera à tous la chance d'accéder à un emploi à l'échelle nationale et internationale. À travers ce recrutement aussi, nous voyons que Airtel s'intéresse aux jeunes, surtout aux jeunes diplômés. Et ça a été un cadre pour moi de faire valoir mes potentialités. Je trouve que c'est une bonne innovation parce que actuellement il y a beaucoup de jeunes diplômés qui aspire à avoir du travail, à rentrer dans le monde professionnel. On a commencé par un test écrit, après on a fait un cas pratique qui a duré de 8h à 14h à peu près. Emploi Jeune de Airtel permettra ainsi de recruter 11 jeunes burkinabés sans expérience professionnelle, identifiés parmi plus de 500 dossiers de candidature reçus. Ils bénéficieront d'une première expérience professionnelle d'une durée de 18 mois au sein de Airtel Burkina Faso. Ce sont au total 11 jeunes diplômés en marketing, en finance, en ressources humaines, en transport logistique et j'en passe qui vont nous rejoindre dès ce mois de juillet pour se soumettre à notre programme de formation qui va durer 18 mois. Période durant laquelle ces jeunes lauréats s'imprégneront de la vision et des valeurs de Airtel, mais acquerront aussi des compétences techniques et managériales devant leur offrir une carrière. L'initiative de Airtel aussi, c'est à saluer, d'autant plus qu'elle concerne, bien entendu, la frange jeune diplômée de notre pays. Et vous savez bien que c'est dans ces diplômés-là que le taux de chômage n'est pas le plus important. Donc je pense à ce titre-là, c'est une initiative qu'il faut saluer parce que ça s'inscrit dans la politique de l'employabilité des jeunes. Et puisque ces jeunes, ces 11 jeunes qui ont été pris, lorsqu'ils vont donner satisfaction, seront bien entendu recrutés. Le choix des 11 meilleurs est fait par le truchement d'une procédure de recrutement transparente internationalement éprouvée. Tout au long du processus de sélection, les jeunes ont été soumis à divers tests qui sont fiables, transparents, dont les résultats sont vérifiables. Avec déjà 237 emplois directs et plus de 2000 emplois indirects, cette initiative positionne Airtel comme un acteur clé du marché de l'emploi au Burkina Faso. Et vous me permettez de féliciter Airtel, le groupe Airtel, pour cette initiative qui va permettre à 11 jeunes véritablement de rentrer dans le milieu du travail. Ce programme fait partie intégrante de notre stratégie de responsabilité sociale d'entreprise, car Airtel, en tant qu'entreprise leader de la télécommunication au Burkina Faso, ne pouvait pas ne pas tendre la main aux jeunes. Suite au test de recrutement lancé par Airtel Burkina, j'ai été retenue pour un stage de 18 mois. J'ai un master en économie et management de l'entreprise innovante obtenu à l'université Aube Nouvelle. Je suis affectée à la direction marketing, plus précisément à la section rooming et international. Je suis chargée de m'assurer de la qualité des services proposés à l'international. Étudiant en master de marketing, j'ai été retenu après le test de recrutement à Airtel et je suis affecté à la direction marketing où je m'occupe de la veille concurrentielle du côté des offres de promotion des trois réseaux de télécommunications. Avec son programme Emploi Jeune, Airtel donne la chance à de nombreux jeunes d'avoir une première vraie expérience professionnelle, ouvrant la porte à une carrière prometteuse. Airtel.